Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui va pas être très longue je l'espère, assez courte, parce que je vais vous parler de l'avenir de BibiBuzz TV, et notamment parce que voilà, j'ai franchi le pas, j'ai fait quelque chose que je m'étais promis de jamais faire, mais je l'ai fait, j'ai ouvert une cagnotte. Oh là 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 là, on se calme, on n'en est pas là du tout. D'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de vous offrir cette cagnotte. Vous n'êtes pas sans le savoir, mais une chaîne YouTube, ça demande bien sûr du temps, mais ça vous demande aussi des moyens. Parce que voilà, quand on fait sa vidéo, il faut du matos pour filmer, une bonne caméra. Après, il faut un bon ordinateur pour faire le montage et pour faire des rendus assez rapides. Parce qu'une vidéo qui fait genre, 10 minutes... Eh ben moi par exemple c'est 1h30, 2h de rendu parce que voilà l'ordinateur est un peu vieux donc faut qu'il traite tout, il calcule tout et il va pas très vite. C'est aussi un bon ordinateur si on veut faire du stream pour diffuser ses parties de jeu, donc faut un gros ordinateur pour faire bien sûr les montages mais aussi pour servir de relais comme ça entre la plateforme YouTube et par exemple la console avec des boîtiers de capture notamment. Et je passe tous les petits accessoires à côté comme les micros, comme les trépieds et plein d'autres. Vous le savez si vous me suivez parce que vous regardez mes vidéos, je monétise toutes les vidéos que je poste sur YouTube. Vous allez me dire, ça y est, il monétise les vidéos, c'est un YouTuber influent, il se fait des tonnes d'argent. Non, pas du tout, et c'est bien là le problème, c'est que malgré toute la monétisation que je peux mettre sur les vidéos, en sachant que j'essaye de pas en mettre au milieu des vidéos, mais juste aux extrémités, malgré cette monétisation, je dois peut-être toucher de la part de YouTube 60 euros par an. On est bien là, 60 euros par an. Sur ces 60 euros, par exemple, tout simplement, il y a 30 euros qui sont dédiés après à payer le nom de domaine et à payer l'hébergement du site bibibuzz.fr qui est lié aussi à cette chaîne BibiBuzz TV. Donc vous voyez, après sur un an, il me reste 30 euros et avec ces 30 euros, bah, j'achète un nouveau trépied, une nouvelle lumière, un micro, une nouvelle carte SD, puis bon voilà, ça part assez vite. À chaque fois que je poste une vidéo sur la chaîne BibiBuzz TV, j'ai toujours énormément de plaisir à lire vos commentaires. Et dans vos commentaires, vous êtes très nombreux à me féliciter pour la chaîne, à me dire qu'elle est géniale, à me dire que vous adorez mes vidéos, vous adorez ma façon de parler, ce qui est assez étrange vu que je déteste m'entendre parler. Que vous adorez le montage que je fais, vous aimez bien le thème et résultat, j'ai très très souvent de très bons compliments dans les commentaires sur les vidéos et ça vous pouvez pas imaginer à quel point ça fait plaisir, à quel point je suis content quand je reçois une notification pour un nouveau commentaire sur une vidéo, de l'ouvrir et de voir c'est super, bravo, continue et surtout que vous me poussez à aller plus loin, à continuer l'aventure BibiBuzz TV, à faire de nouvelles vidéos parce que voilà, vous voyez que je fais ça avec passion et surtout ça vous plaît et ça me fait vraiment mais chaud au cœur. Donc voilà, j'ai ouvert cette cagnotte parce que j'ai besoin de vous, parce que j'ai besoin de votre soutien financier. Alors attendez, je vous arrête, on n'en est pas à des versements de 100 euros par mois, non, non, non. J'ai besoin de votre soutien financier bah, pour aider à booster la chaîne BibiBuzz TV, pour réussir à la faire grossir, notamment bah, peut-être en achetant du nouveau matos vidéo, un nouvel ordinateur et surtout des goodies parce que voilà cette cagnotte elle va servir vraiment à BibiBuzz TV. Ici on n'est pas pour améliorer mon confort quotidien, je ne vais pas m'acheter une nouvelle télé, je ne vais pas acheter un nouvel iPhone, je ne vais pas acheter une nouvelle iWatch, c'est pas le but. Le but c'est d'améliorer BibiBuzz TV et notamment améliorer sa communauté, faire des cadeaux. Donc en gros par exemple imaginons que chacun d'entre vous, je crois qu'actuellement on est à plus de 2000 abonnés sur la chaîne BibiBuzz TV. Imaginons que chacun d'entre vous verse 50 centimes. Donc on a 1000 euros. Sur ces 1000 euros, qu'est-ce que je vais faire? Bah, j'achète un nouvel ordinateur qui me permet de faire de la capture pour faire du stream, plus puissant pour faire du montage vidéo. Et sur la partie qui reste, bah, j'achète des goodies. Quand je dis j'achète des goodies, c'est j'achète par exemple les derniers Blu-ray, les derniers jeux vidéo sur par exemple PS4 ou sur PC, peut-être acheter des éditions collector, des figurines Funko Pop. Voilà, j'achète tout ça et ces cadeaux-là,
je vous les offre à vous, lors de concours. Parce que voilà, pour vous remercier, parce que cette cagnotte, elle va servir la chaîne BibliBuzz TV, mais aussi la communauté BibliBuzz TV, bah, l'argent de cette cagnotte va aussi servir à organiser des concours pour vous faire gagner des lots. Alors bien sûr, tout dépendra de la taille de la cagnotte. Si par exemple vous êtes 2000 abonnés et que chacun met 1 euro, bah, ça fait 2000 euros. Si vous mettez chacun 2 euros, ça fait 4000 euros. Enfin, wow, là on arrive dans des sommes assez folles. Je préfère pas imaginer ça. Mais donc voilà. Cette cagnotte, elle servira pour la chaîne, ça vous pouvez en être sûr, avec une partie qui servira à améliorer le matériel pour pouvoir être plus performant et vous offrir plus de vidéos, et de l'autre, acheter des objets high-tech, des objets geeks pour vous les offrir dans des concours pour vous remercier un peu de me suivre quotidiennement sur BibliBuzz TV. C'est donc pourquoi j'ai ouvert une cagnotte sur PayPal pour soutenir BibliBuzz TV, et d'avance merci à tous ceux qui pourront me soutenir, quelle que soit la somme, que ça soit du 50 centimes, que ça soit du 1 euro, 2 euros, d'avance merci à vous tous pour ce soutien. D'ailleurs, je tiens à remercier deux personnes qui m'ont fait des dons sur cette cagnotte. Elle est en ligne depuis quelques jours et il y a eu un don de 2 euros et un don de 5 euros. Donc merci à vous, je sais que vous reconnaîtrez, je vous connais, j'ai pu échanger un petit peu après avec vous sur Twitter en privé. Donc merci à vous pour votre soutien, ça me fait extrêmement plaisir et j'espère que vous autres, vous aurez assez confiance en moi pour me soutenir aussi avec cette cagnotte et me faire un versement quel qu'il soit. Et enfin, merci à tous pour vos commentaires tous les jours sous les vidéos YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir, merci de me soutenir, merci de me motiver, merci de me proposer plein de nouvelles idées, merci d'échanger avec moi sur des sujets high-tech, donner vos avis, tout ça. Vous êtes une super communauté, merci à vous, j'ai vraiment beaucoup de chance, et on se dit forcément à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.